Bon, rebonjour à toutes. Bon, me voilà partie dans un petit peu de création comme ça me fait un petit peu, ça me change un petit peu. Alors là, j'ai trouvé, j'avais rangé, vous savez, j'avais une caisse que j'avais eu à Action l'autre jour avec du terreau dedans, je l'avais gardée. D'ailleurs, mes plantations que j'ai faites, vous les verrez pas parce que c'était envahi de fourmis. Mais envahi de fourmis. Je ne sais pas d'où c'est qu'elles sont sorties. J'étais envahie, donc j'ai tout mis dehors. J'ai dit tant pis, je jette. Hein. Donc voilà, j'ai cette petite caisse. J'ai collé des petits bâtons de glace. D'ailleurs, j'en ai plus d'ailleurs parce que je crois que j'ai mis les derniers. Vous voyez, des petits bâtons comme ça, voilà, qu'on achète chez Action. D'ailleurs, quand ça sera rouvert, quand je pourrai y aller, je m'en rachèterai. J'ai fait une petite barrière tout le tour. Voilà, tout le tour. J'ai collé, alors c'est pareil, j'étais en train de faire, et j'ai pourquoi pas faire avec mes abonnés, hein, autant que vous profitiez de ce que je fais. Et puis, ça fait un petit moment, ça fait passer un petit moment. Donc, j'ai collé aussi un petit peu de feuillage devant, ça va être le devant, ça. Voilà. J'ai ressorti le petit mouton que j'avais fait l'autre jour. Que je vais, alors j'ai mis de la paille, je l'ai retrouvé aussi en cherchant, j'ai retrouvé ma paille, vous savez que je vous disais, j'en ai, mais je sais pas où elle est. Donc j'ai retrouvé cette paille-là. Voilà. Et donc j'ai ressorti mon petit mouton que je vais venir mettre ici, que je vais le coller d'ailleurs. Et puis j'ai mes feuilles de ce matin, que j'avais fait ma couronne. J'ai mes petites fleurs, mes petits poussins. J'ai ressorti aussi des petites choses en. Vous savez que j'avais acheté aussi des petits moutons, des petits poussins, des petits lapins. Et je vais essayer de faire une petite déco avec ça. Voilà. Donc là, je vais coller quand même mon petit mouton sur la paille. Comme ça, il ne bougera plus. Comme j'avais tout défait et puis que j'avais rangé, j'ai autant de ressortir mon petit mouton. Il sera aussi bien dans sa paille. Voilà. Donc, je vais vous montrer après. J'ai sorti des feuillages, comme je vous ai dit ce matin. J'avais des petits feuillages que j'avais gardés. Je vais essayer d'en mettre au coin, comme ça, derrière. Ça va. Je sais pas si vous voyez grand-chose. Enfin, je vous le montrerai une fois fini. On va discuter pendant ce temps-là. Donc, je vais mettre un peu de colle. Je vais mettre un peu de colle pour que ça tienne. Voilà. J'avais une pince pour pousser pour pas me brûler les doigts. Je sais pas ce que j'en ai fait. Est-ce que je l'ai remise là-dedans? Oui. Je vais en mettre là dans le coin aussi là. Je vais mettre du feuillage un peu. Il est dans son pré, le petit mouton là. Il fait beau, il est sorti. Je vais peut-être mettre les petits poussins aussi. Hein. Les petits poussins peuvent se balader dans le champ avec les moutons. Hein. Mon petit ciseau, il est là. Je vais faire ça avec vous. Ça va. J'ai encore un peu de feuillage là, oui. Oui. Je m'amuse que de rester à rien faire, autant s'occuper. Est-ce que j'ai encore du feuillage là-dedans? C'est des feuilles toutes seules. Bon. Et ça peut le faire. On va voir. De toute façon, j'en ai encore là. Toujours mon bazar à côté de moi. Hein. Je vais récupérer du feuillage là-dessus. Après, les fleurs rouges, eh bien, je m'en servirai l'année prochaine, enfin l'année prochaine, en fin d'année pour les décos de Noël. Les décos de Noël, j'en ai déjà fait, mais qui sont déjà programmés pour. Alors, j'ai fait des décos
de Noël avec mon ancienne. J'avais encore mon ancien appareil, donc ça va vous changer quand vous les verrez, les décos, parce que il y a du flou, il y a du pas flou, mais bon, c'est pas pour tout de suite, hein. On n'est pas Noël encore, hein. Donc je vais mettre du feuillage un peu tout le long du. Un peu tout le long. Voilà, comme ça. Et vous, vous faites des petites décos aussi, vous vous occupez. Celui-là. Non, celui-là ne veut pas tenir, on va remettre un peu de colle. Hop. Je verrai après si j'en remets du feuillage. Hein. Donc pour l'instant, ça donne ça. Alors, pour l'instant, ça donne ça. Ce que je vais faire sur le coin là, j'avais des petits œufs de caille. Il y a une petite caille qui est venue pondre. Donc je vais en mettre. Parce que j'ai pas d'autres œufs. Ah si, j'en avais d'autres. Eh bien, je vais voir après. Je vais en mettre quelques-uns dans un coin. Bon, ça, je ne sais pas si je vais les coller. Alors, attendez, parce que là, je vois pas grand-chose. Je vois pas du tout ce que je fais. À moins que je les mette là. Ouais, cachés dans le feuillage. Les petits œufs cachés dans le feuillage. Bon, c'est peut-être pas proportionné, hein, mais on va dire que ça va quand même. Il va y avoir un petit lapin qui va se trimballer. Ouais, un petit lapin qui peut se promener dans le. Alors, attendez, je vais peut-être retirer le collant quand même. Hop, bon, ben, je vais le coller directement. Petit lapin qui se cache. On va en mettre un ou deux. Et après, je vais mettre des petites fleurs. On va mettre un autre là qui se sèche, un petit lapin là qui se cache. Hop. Voyez. On peut faire n'importe quoi, hein. C'est une décoration maison. Voilà. On va mettre les petits poussins, je les mettrai après. Alors je voulais mettre des fleurs. Alors, on va en mettre. Ouais. Même si je mets une petite fleur comme ça, c'est mignon aussi ça. Ouais. Je vais les coller après, je les mets d'abord et après je vais les coller. On met une par ici. Les petites fleurs jaunes. Ça va ressortir. Voilà, on va coller les petites fleurs. Voilà. Bon, vous allez me dire c'est simple ce que tu fais, mais moi ça me plaît. Bah, de toute façon, les vidéos de Pâques. C'est un peu simplet, hein. Quand on regarde toutes les vidéos de Pâques, il y en a vraiment, c'est vraiment, ben moi je veux bien, mais il y a des choses que un gamin de la maternelle le fait, hein. Donc, bon, enfin, ça chacun ses goûts, hein. Qu'est-ce que je fais? Je mets un petit poussin qui se trimballe. Bon, voilà, ouais, un petit poussin. C'est mignon ça. On va en mettre un. Je vais lui coller la coque. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand-chose, hein. Vous me voyez faire, mais je fais un peu n'importe quoi. Hein. C'est, voyez, ça peut faire. Voilà, mes œufs, j'aurais dû les coller. Attendez,
Je vais en coller quelques-uns parce que là, ils se baladent et j'aime pas. Toute façon, après Pâques, ça va être rangé là-haut. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Des petits moutons comme ça? Bon, oui. Par contre, il faudrait peut-être que... Ouais, je vais peut-être en coller dos à dos. Parce que on va voir le blanc derrière. Est-ce qu'ils correspondent dos à dos? On va voir ça. Ouais, mais je suis en train de me coller les doigts là. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Ça. Et comme ça. Comme ça, il va. Ouais. Je vais mettre un petit peu de colle à ses papattes. Je vous dis, c'est enfantin, mais ça peut faire une petite déco de Pâques. Et puis, je vais en faire deux, des petits moutons. On les mettait dos à dos, ils sont découpés pareil, donc c'est bon. Hop. On va mettre un autre à côté de la maman, là. Hop. De toute façon, c'est la naissance. Ah non, ils sont nés, ça y est, les petits moutons, je crois. Ouais, ils sont nés. Tiens debout de pépère. Tu viens de naître, mais hop. Voilà. Je cause toute seule, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est moi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Des petites fleurs ou des petits nœuds, là. J'avais sorti ça comme petit nœud. Peut-être que je vais peut-être mettre des petits nœuds sur la caissette. Peut faire mignon. Ça manque de quelque chose. Il faut que je trouve. Il va falloir que je rajoute un peu plus de fleurs. Ouais, je vais mettre des petits nœuds. Ça va habiller le. Ça va habiller le devant. Dans le milieu. Regardez, ça l'habille quand même. Bon, il manque des fleurs. Il faut que je trouve des fleurs à mettre. Alors, comment je vais vous montrer ça, si vous êtes. Voilà. Vous voyez, il y a le petit mouton, bébé mouton, la maman mouton, les petites fleurs. Le petit poussin qui les regarde, les petits lapins qui sont cachés dans les herbes. Et puis, bah, je vais voir. Je ne sais pas ce que je vais mettre d'autre. Je vais. Il faudrait que je remette un peu de feuillage, je trouve. Du feuillage, il n'y en a pas assez. Feuillage. J'en ai plus beaucoup du feuillage. Qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer ça, peut-être? Ouais, peut-être. Hop, encore là. C'était bien ces grandes guirlandes de fleurs, hein, mais ils en font tout le temps, hein, au rayon fleurs, ils en font. Je pense qu'il y en a toujours de ça. Après, je vais récupérer tout ça. Tout tombe par terre, mais c'est pas grave. Est-ce que je mets encore un petit peu de fleurs, un peu de feuillage là, ouais. Un petit peu de feuillage, un petit peu de colle. Hop. Vous voyez rien. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Mais enfin, c'est pas évident parce que j'aurais dû mettre la caméra plus haut, mais j'ai pas. Je vous dis, mon trépied, il faut que je le change. Donc, après, je vais vous montrer de hauteur quoi, ce que ça donne. Voilà. Et je pense qu'il faut d'autres petites fleurs.
J'en ai une petite blanche là, une petite rose. Ça peut le faire, hein, dans un champ, il y a un peu de tout. Des petites comme ça. Oh, puis j'ai des petits arômes aussi. Oh, des arômes. On verra, je vais voir. Ce que je fais à mon idée. Vous voyez, je prépare. Là, j'ai dit, allez hop, je prépare ça. Je vais voir ce que ça donne. Et puis, hop, c'est parti. Et au lieu de faire ça toute seule, et ben, je fais ça avec vous. Ah, de la colle. Je regardais, on voit mes gros bras en gros plan. Je regardais quand je regarde mes vidéos, je dis, mais merde, avec tes gros bras. Mais bon, c'est des bras de vieille. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il y a là en ce moment? Elle parle toujours de vieillerie. Ben oui, c'est vrai. Je suis plus toute jeune. Petite rose là. Bon, écoutez, je pense que c'est suffisant. Ça ne sert à rien non plus de trop charger. Et puis, ben, si vous faites ça, pour un centre de table, ben, vous glissez quelques œufs au chocolat dedans. Et je pense que ça peut faire un beau petit centre de table. Voyez? Comment je pourrais vous montrer? Comme ça. Voilà. Moi, j'ai voulu rajouter une petite barrière. Je trouve que ça fait pas mal. Bon, après, on peut rajouter des petites choses tout le tour. Hein. Il y a plein de... On peut mettre un tas de choses. Mais voilà, j'ai fait ma petite déco. Je suis contente. C'est tout simplet, tout mignon. Et puis, en même temps, mon mouton, je l'avais rangé dans un tiroir. Et bien, comme ça, il est ressorti. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vais vous laisser sur ce. Je ne sais pas si je plante des petits arômes, c'est par bouquet. Hein. On va en planter quelques-uns. Je crois que j'en ai encore là. Ouais. Hop. Dans le champ, il y a de tout. J'ai pas trouvé de pissenlit. Je crois que c'est fini la saison des pissenlits, non? Voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas si ça va vous plaire, mais moi ça me plaît bien de faire des petites choses comme ça, et puis on s'occupe comme on peut, hein? Voilà. Donc sur ce, je vais faire avec moi. Voilà, vous voyez, ça tient, hein, j'ai collé. Donc, je vous fais un gros bisou. Et puis, ben, à la prochaine vidéo. Bisous.